choc tant attendu entre notre équipe du Voléro Le Canet et nos voisines du RC Cannes a démarré sur les chapeaux de roue dans une salle maille en pleine à craquer. Pour ce match aller des demi-finales du championnat de France, nos Canetanes ont réalisé un match de très haut niveau. Supérieures dans tous les domaines, les joueuses d'Avital Selinger enchaînent les points et assomment leurs adversaires. Le Voléro fait la course en tête à chaque set et déroule parfaitement son jeu. Les centrales Azanova et Lazarenko martyrisent leurs adversaires, tandis que sur les ailes, Kazanova, Bielitsa et Dimitrova se chargent de transpercer le bloc cannois. Entre l'attaque orchestrée par Eva Mori et la défense dirigée par Deborah Orchit, c'est tout le collectif canetan qui prend l'ascendant et se détache au score. Après un peu plus d'une heure et quart de jeu, le Voléro boucle donc ce match aller parfait sur le score de 25-21, 25-20 et 25-12. Mais même après cette superbe victoire, rien n'est encore fait pour notre équipe. Il faudra désormais aller chercher un succès au Palais des Victoires de Cannes, samedi lors du match retour ou dimanche en cas de match d'appui. For sure, it's a little bit easier in our gym, but let's say that this is not excuse for the next game. We are going out for like 100% to give everything. And yes, one step we made. Now we are waiting Saturday, so I hope final. Nos filles ne sont donc plus qu'à une manche de la grande finale de Liga, et avec le niveau affiché depuis le début des playoffs, elles semblent bien déterminées à aller jusqu'au bout. Just because it's playoff, so you don't have a chance for mistakes, so you're giving everything, not 100, even more than 100, because you want to be the winner, you want to win and to have the cup. Après 3 victoires en 3 matchs de play-off, notre formation du Voléro Le Canet compte bien enchaîner sur sa lancée. Jergana Dimitrova et ses partenaires donnent donc rendez-vous à tous les supporters canetans. Of course, we will see. So come at Palais des Victoires and we will see what will happen.